Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, dans le cadre de la Fête de la Science 2020, l'Université de Nîmes organise plusieurs événements, entre autres un cycle de conférences. Du coup, vous avez peut-être, certains d'entre vous, ont déjà participé et assisté aux conférences données par le docteur Christian Siatka, qui est aussi directeur de l'École de l'ADN, enseignant-chercheur à l'Université de Nîmes. Hier soir, par exemple, il y a eu une présentation sur le biomimétisme. Dans le même style, je vais vous présenter ce soir une présentation sur la plasticité cérébrale. Alors, dans cette présentation, du coup, qui va durer autour des 30 minutes, à la fin de laquelle je vais prendre aussi toutes vos questions. Vous pouvez bien évidemment les poser dans l'espace des chats sur notre page Facebook pendant la présentation. Mais je vais essayer de répondre à toutes vos questions et toutes vos curiosités à la fin de cette présentation. Alors, je l'ai organisé de façon à vous présenter de façon générale la physiologie de la plasticité cérébrale. Et dans une deuxième partie, je vais plutôt vous présenter certaines applications cliniques qui dérivent de nos connaissances actuelles à ces sujets. Je ne pouvais pas ne pas présenter des images d'un neurobiologiste qui est Cajal, qui était le père fondateur des neurosciences. En fait, je dirais, quand on parle du cerveau, j'ai défini un peu comme les chefs d'orchestre, les neurones. Alors, à savoir, les premières images que nous avons obtenues ont été dessinées à la main. Et un des premiers, du coup, le père fondateur, était vraiment Cajal. C'est un expert d'anatomie et d'histologie espagnole qui a dessiné à la main et représentant les neurones qu'il observait dans des cerveaux des patients humaine. Alors ça, c'est bien évidemment une représentation parce qu'en réalité, nous avons plusieurs types de neurones que je ne vais pas vous présenter tous ces soirs parce que ce n'est pas le but de notre présentation. Mais je vais vous présenter aussi les avancées technologiques qui quand même ont eu lieu grâce à ces premières observations. Cajal, à savoir, a eu aussi un prix Nobel pour ses observations et ses pas qui ont été fondamentales pour le développement des neurosciences avec un Italien qui s'était Golgi. Ces types de représentations qui sont des dessins d'une extrême beauté sont conservés aujourd'hui dans un musée à Madrid, le musée Cajal, et font partie aussi des expositions d'art partout dans le monde, entre autres en 2016, une exposition qui a eu lieu aux États-Unis à New York. Mais pour venir à quelque chose un peu plus moderne, on va dire, je vous montre aussi les plus récentes techniques. Ici, par exemple, vous avez un neurone qui est marqué à la GFAP, en vert. Bien évidemment, vous avez plusieurs types de neurones. Je vous montre ici qu'un exemple. Et ce qui est à retenir, c'est que vous avez généralement une structure fondamentale qui est le corps du neurone et après des prolongements qui sont les dendrites et l'axon. En fait, comment communiquent les neurones dans les cerveaux? Eh bien, c'est un message qui est transmis sous forme d'impulses électriques. Les neurones sont une cellule qui est capable d'être excitée et c'est autour des 86 billions de neurones que nous avons dans nos cerveaux font chaque fois que nous effectuons une action, chaque fois que nous apprenons quelque chose, des centaines de milliards de connexions entre eux. Dans cette deuxième image que vous avez ici, vous voyez tous ces petits points, c'est ce qu'on appelle des petits synapses. En fait, la synapse, c'est une communication entre les neurones. La synapse peut être de type électrique ou, pour les plus souvent, dans un cerveau adulte, une synapse est de type chimique. En fait, nous avons dans cet espace des communications entre les neurones la libération de molécules chimiques. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, d'acétylcholine, dopamine, sérotonine. Ce sont des neuromodulateurs qui transmettent les messages d'un neurone à l'autre. Mais je vous ai dit que les neurones, on peut les définir un peu comme les chefs d'orchestre. Mais il n'y a pas que ça dans un cerveau. Et bien que la liste que je vous fais n'est pas exhaustive, je vais vous montrer quand même qu'il y a au moins un deuxième type de cellules qui sont les astrocytes. Et il y en a bien d'autres, hein, c'est clair. Mais je vous montre les astrocytes, il y a bien une raison pour laquelle j'ai à cœur de vous montrer ça. Ces cellules que vous avez au centre schématisées sont des cellules, des soutiens pour les neurones, du coup un rôle tout à fait physiologique, mais peuvent avoir aussi une distribution assez particulière. Par exemple, dans cette image en rouge que j'ai obtenue avec l'utilisation de la microscopie confocale aux États-Unis, au New York Medical Center, vous avez des astrocytes tout en bas marqués à côté des neurones, quoique les neurones, on ne les voit pas, mais c'est leur distribution. Alors, à nous, vous avez plutôt une distribution des astrocytes assez particulière. En fait, on connaît aujourd'hui que les astrocytes, avec leur
prolongements vont couvrir les vaisseaux au niveau cérébral. Et c'est ce que vous avez dans cette image en rouge, en haut, c'est un vaisseau qui est représenté dans cette image ici. Alors, je veux particulièrement mettre l'accent sur ça pour déjà retenir un premier message. Nous avons parlé et nous allons parler du cerveau. Chef d'orchestre, bien évidemment, c'est les neurones, dans les différentes formes des neurones que nous pouvons trouver. Mais il n'y a pas que ça dans un cerveau. Il y a d'autres types de cellules, par exemple les astrocytes, et que ces cellules expliquent différentes fonctions, par exemple grâce à leurs différentes distributions. Quand les astrocytes se retrouvent sous les vaisseaux, constituent avec d'autres types cellulaires, entre autres les péricytes, c'est ce que nous appelons la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière particulièrement importante parce qu'en fait, ça module les échanges entre les cerveaux et la périphérie de notre corps. Et des altérations de cette barrière peuvent avoir des conséquences de différentes gravités. Et je vais revenir sur l'importance aussi que nous voyons déjà, l'importance de la vascularisation cérébrale. Dans notre cerveau, il y a des vaisseaux tout autour, qui contribue du coup à amener des nutriments et aussi de l'oxygène, par exemple, pour les neurones. Ici, j'essaie de vous montrer comment les neurones peuvent interagir entre eux et les réseaux des connexions entre les neurones qui se forment quand nous effectuons certaines actions ou par exemple dans les phénomènes de l'apprentissage et de la mémorisation. Dans cette image, vous avez schématisé et représenté, du coup de façon schématique, ces connexions, ces réseaux des neurones qui se forment quand nous apprenons quelque chose, quand nous faisons certains types d'actions. Il y a une communication entre les neurones dans les différentes structures cérébrales. Alors, c'est ce qui se forme avec la mémoire, ce sont ces types de connexions que nous pouvons bien évidemment renforcer. En fait, si nous effectuons la même action plusieurs fois, nous allons renforcer ces réseaux de neurones qui auparavant ont été déjà établis. C'est pour ça que quand nous essayons de nous rappeler de quelque chose que nous avons effectué plusieurs fois, ou par exemple un paragraphe que nous avons lu plusieurs fois, c'est plus simple par rapport à essayer de se rappeler quelque chose que nous avons effectué seulement une fois ou lu seulement une fois. Du coup, avoir des souvenirs et se rappeler des choses, c'est stimuler des neurones dans ces réseaux des neurones qui ont été établis la première fois que nous avons effectué une tâche, que nous avons lu quelque chose, que nous avons appris quelque chose de nouveau. Je ne peux pas ne pas vous montrer cette image, parce que c'est une image extraordinaire, d'une beauté extraordinaire, je trouve, qui a fait un peu les bases dans la communauté scientifique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça montre la puissance des outils que nous avons à disposition aujourd'hui. Alors, cette image, on l'appelle « rainbow », c'est un jeu de mots. « Brain » en anglais, c'est pour « cerveau » et « rainbow » pour « arc-en-ciel ». C'est comme un arc-en-ciel dans le cerveau. Vous voyez la beauté et la définition de ces neurones. Ce sont des neurones de l'hippocampe qui ont été marqués avec différents fluorophores. Alors, comment c'est possible ça? C'est possible grâce à des outils de biologie moléculaire et grâce, bien évidemment, à des avancées technologiques de la microscopie confocale qui est capable de détecter ces différentes couleurs et les rendre en image. Et c'est pour ça que nous avons une finesse d'analyse aujourd'hui qui était impensable auparavant. Par exemple, ces neurones qui morphologiquement se rassemblent, en réalité, ils sont marqués avec des différentes couleurs. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un profil d'activation différents. Et nous sommes capables aujourd'hui de voir toutes ces petites différences, bien évidemment avec des outils qui n'étaient pas disponibles à l'époque des Cajal. Quoique son travail, qui était aussi recouvert d'un prix Nobel, était remarquable pour l'époque, mais aujourd'hui nous avons quand même des outils et des progrès que la science a fait qui sont effectivement remarquables. Alors, pour vous présenter et nous rapprocher de la vraie thématique de notre présentation de ce soir, je vais vous donner la définition des plasticités cérébrales. Alors, il faut savoir que, bon, maintenant, c'est un peu loin dans l'histoire, mais il y a une trentaine d'années, on pensait que les cerveaux, une fois arrivés à l'âge adulte, étaient quelque chose d'amouable. On ne pouvait pas agir sur notre cerveau. Et la seule chose qui pouvait se passer, c'était de la perte neuronale. On pouvait certainement perdre certains neurones et du coup baisser aussi nos capacités cérébrales. Mais ce n'est pas du tout ça.
Depuis longtemps, nous savons qu'effectivement, on peut agir sur notre cerveau grâce à la plasticité cérébrale. Cette définition, elle a été reprise plusieurs fois dans les temps, mais de façon générale, on indique aujourd'hui un cerveau plastique comme un cerveau qui est capable d'échanger. Ces changements sont les plus souvent représentés par des changements au niveau des connexions. Ce sont les réseaux des neurones que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons vu en tout début la constitution, de façon générale, un peu schématisée d'un cerveau, et son mécanisme de fonctionnement. Comment les neurones communiquent entre eux et dans quel cadre il y a une activation de ces types de neurones. Eh bien, nous pouvons agir sur ces connexions et renforçant, centrant, certaines connexions et, par exemple, en perdant certaines autres qui ne sont pas vraiment nécessaires. Tout ce que nous faisons dans la journée, par exemple, va agir sous la conformation de notre cerveau à la fin de la journée. Du coup, les cerveaux que nous avons les matins n'est pas du tout les cerveaux que nous avons les soirs, parce que nous allons vivre certaines expériences qui vont avoir un impact sur la physiologie de notre cerveau. En fait, les cerveaux est tout à fait le résultat de l'expression de nos gènes, mais aussi des modifications permanentes et du coup de la modulation aussi de l'expression de ces gènes, qui sont les résultats de notre histoire individuelle. Et ça, c'est un concept fondamental. Vous avez ici représenté derrière moi la double hélice de l'ADN. Bien évidemment, il y a une information génétique, c'est notre patrimoine génétique qui nous a été transmise par notre père et notre mère, qui est important pour, par exemple, le développement embryonnaire. Mais de plus en plus, nous découvrons le rôle de tout ce qu'on pourrait appeler comme environnement. Et derrière ces mots d'environnement, on peut retrouver plein de choses. Certains, on va les découvrir ensemble ce soir, on va en discuter parce qu'effectivement, il peut y avoir un rôle actif de chacun d'entre nous pour déterminer la physiologie de notre cerveau, qui n'est du coup pas génétiquement déterminée. Quoiqu'il peut y avoir une influence de la génétique, mais c'est beaucoup plus l'importance de ce que nous décidons de faire avec notre cerveau. Il y a plusieurs projets qui ont été développés. Ici, j'amène une image à partir des Human Connectome Project qui essaie de comprendre tous les différents réseaux des neurones qui peuvent se former. Alors, bien évidemment, il y a des obstacles évidents dans l'étude de certains types de connexions et nous avons besoin, mais ça, c'est la recherche en général aujourd'hui, d'une collaboration étroite entre différentes disciplines, entre différents spécialistes, entre différents points de vue et observations, et aussi différentes techniques, je dirais. Pour arriver à ce type de résultats, il y a souvent une communication assez intense entre différents laboratoires qui met à disposition de la communauté scientifique toutes les données qu'ils ont réussi à mettre en évidence. Par exemple, dans certains cas, on se sert beaucoup des modèles animaux pour découvrir certains types de connexions qui peuvent avoir lieu. Bien évidemment, en faisant une distinction entre les animaux et les cerveaux humains, parce qu'il y a bien des différences qui sont assez évidentes. Pour vous montrer l'impact de la plasticité cérébrale à partir du fœtus, je vous représente ici cette image. Vous voyez que déjà dans les premières semaines de développement embryonnaire, il y a un changement énorme qui a lieu dans le développement du cerveau du fœtus dans ces cas-là. Et en fait, dans la vie intra-utérine, nous avons l'apogée de la plasticité cérébrale qui continue aussi à la plus jeune enfance. Mais la plasticité cérébrale, c'est quelque chose qui reste possible et présent tout au long de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à l'enfance. Et ça, c'est les messages de ce soir sur lesquels je vais vraiment insister. Bien évidemment, là, même visivement, vous voyez les développements du cerveau du fœtus. Et on sait que beaucoup des milliards de connexions se forment. Certains d'entre elles vont être renforcées, alors que d'autres qui sont retenues non pertinentes ou redondantes vont être perdues. Du coup, c'est une période extrêmement plastique pendant laquelle certaines choses vont être développées ou renforcées et d'autres vont être abandonnées parce que retenues pas utiles vraiment pour le développement embryonnaire. Pour ce qui concerne le développement d'un cerveau jusqu'à un cerveau adulte, comme vous voyez assez clairement dans ces images, déjà à l'âge des 2 ans, nous avons atteint généralement les 80%
de la taille d'un cerveau adulte. Et généralement, il n'y a pas de grands changements en termes de taille à l'âge des 10 ans, entre l'âge des 10 ans et un cerveau adulte. Mais c'est ce qui se passe, nous avons bien compris maintenant les messages, c'est qu'il y a les phénomènes de plasticité cérébrale. Si ce n'est pas la taille de notre cerveau qui change, c'est certainement la fonctionnalité de notre cerveau et ses connexions, ses réseaux des neurones qui sont établis, renforcés ou alors perdus s'ils ne sont pas stimulés. Bien évidemment, comme je vous disais, il y a les périodes intra-utérines qui est particulièrement important. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de sensibilisation et de prise de conscience de l'importance de l'état de santé de la future maman pendant la grossesse, sur le développement embryonnaire et aussi sur le développement cérébral embryonnaire. En fait, il y a de plus en plus une sensibilisation sur l'état de santé général. On essaye de donner des conseils qui prennent en charge, par exemple, le style de vie, y compris conseiller, par exemple, une activité physique, du coup, éviter la sédentarité, avoir une alimentation saine, contrôler les microbiotes. Ça, c'est un volet de la recherche plutôt récent qui montre l'importance d'un microbiome, du coup, de notre flore commensale, de notre flore des bactéries commensales qui habitent normalement notre corps, éviter, du coup, tout type de déséquilibre. Et tous ces paramètres sont pris en compte pour garder en bonne santé pendant la grossesse, chose qui peut avoir un impact assez important sur le développement embryonnaire et sur le développement futur du nouveau-né aussi au niveau cérébral. Mais je vais vous présenter aussi quelque chose de récent que j'ai vu. C'est une présentation du docteur Annie Akacher. Alors, c'était dans le cadre des TED Talks. Ce sont des présentations sur différents types de sujets. Je vous mets les liens TED.com. Vous pouvez trouver différents types de sujets vraiment très hétérogènes qui sont traités. La caractéristique de ces types de présentations, c'est traiter un argument de façon assez originale. Alors, le docteur Annie Akacher est un médecin qui a effectué ses études aux États-Unis, mais qui a été affecté pendant sa vie par des troubles du comportement, des symptômes dépressifs et surtout par des troubles de l'anxiété, chose qui a impacté énormément la qualité de vie. Et il partageait ses symptômes aussi avec son frère, qui avait fait d'autres types d'études. Mais grâce à ses études en médecine, il a pu découvrir les potentialités de son cerveau, du cerveau de façon générale, je dirais. Grâce à ça, le simple fait d'avoir connaissance des potentialités de son cerveau a eu un impact sur sa qualité de vie parce qu'il a réalisé que son comportement, ses troubles de l'anxiété, n'est pas génétiquement déterminé et qu'il pouvait effectivement agir sur sa qualité de vie. Alors, bien évidemment, je ne veux pas dire que la prise des médicaments dans certains troubles du comportement n'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout ça. Mais dans son cas, par exemple, dans les troubles de l'anxiété, je trouve que c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, peut-être nous pouvons agir sur notre cerveau pour améliorer la qualité de vie sans même prise des médicaments. Alors, il a voulu partager ses messages parce qu'il a trouvé que c'était d'une puissance extraordinaire et il a développé une start-up et il présente ses messages. Bien évidemment, les publics qui prend des préférences, ce sont des enfants. Quoique c'est un message que nous pouvons donner à n'importe quel âge. Je suis là ce soir pour rebondir sur ces messages-là. En fait, il montre aux enfants la capacité qu'ils ont d'agir sur leur cerveau. Alors, c'est ce que vous voyez dans les mains de ces enfants. C'est la reproduction d'un cerveau. En couleur, vous avez toutes les différentes connexions qui peuvent se former. Bien évidemment, c'est un peu schématisé, c'est exagéré même, mais l'enfant voit comme c'est ce qu'il va faire vraiment de son cerveau, c'est réellement entre ses mains. Et du coup, il peut aplatir, il peut avoir un tout petit cerveau, ou alors avec de l'effort, avec de la stimulation des différents types, il peut agrandir son cerveau, il peut stimuler la formation des réseaux des neurones. Et le fait d'avoir conscience de ses potentialités a donné beaucoup de confiance en soi à ses enfants qui ont du coup, je ne parle pas des performances vraiment du point de vue scolaire, chose qui semble quand même être associée, mais je parle surtout de la qualité de vie et éviter par exemple certains troubles liés à l'anxiété. Du coup, c'est vraiment un message extrêmement important que je tiens à partager avec vous et que je pense doit être diffusé pas seulement auprès d'un public assez jeune,
là où on sait que la plasticité cérébrale, bien évidemment, elle est particulièrement intense, mais à n'importe quel âge, parce que nous avons vu, et la communauté scientifique est d'accord, en consensus sur le fait que la plasticité cérébrale est possible à n'importe quel âge. Alors, quoi faire pour stimuler la plasticité cérébrale et garder notre cerveau en forme, je dirais un cerveau jeune? Mais il y a plusieurs activités que nous pouvons avoir. C'est la stimulation intellectuelle avant tout. Je pense par exemple à différentes formes d'apprentissage, apprendre de nouvelles choses. Par exemple, quand nous apprenons une nouvelle langue, il y a plusieurs structures cérébrales qui sont mises en lien les unes avec les autres. Et du coup, la plasticité cérébrale est stimulée de façon assez évidente et importante. Mais un autre exemple que je tiens à vous montrer, c'est le cerveau de musicienne. Dans ces cas-là spécifiques, c'est le cerveau d'un violoniste. Et en fait, les chercheurs ont développé des études dans lesquelles ils montrent que le cerveau du violoniste, comme il a l'habitude de répéter ses gestes d'une finesse extrême, je dirais presque tous les jours, bien évidemment, c'est un violoniste professionnel, il va développer une réactivité d'une certaine structure cérébrale de la cortex associée aux stimuli tactiles associés à ses doigts. En fait, la stimulation des doigts avec un stimulus de type tactile d'un musicien, détermine une activation majeure dans cette structure cérébrale par rapport à la même structure cérébrale dans les cerveaux d'un non-musicien. En fait, avec l'entraînement, il arrive à avoir une réponse plus intense de son cerveau. Et ça, c'est grâce à l'entraînement. Ce n'est pas quelque chose qui était génétiquement déterminé. C'est le fait de répéter ces gestes de façon quotidienne qui entraîne ces neurones à communiquer entre eux dans différentes structures cérébrales. Un autre exemple qui est donné par Jordan Grafman, c'est un chercheur aux États-Unis, c'est une réorientation, on va dire, de structure cérébrale. En fait, dans les cas d'un aveugle de la naissance, nous avons un area qui est député à l'élaboration des stimuli de type visuel. Mais comme ce sujet est aveugle dès la naissance, cette structure cérébrale, normalement, ne devrait pas recevoir des stimuli parce que tout simplement, le sujet ne peut pas voir. Alors, dans ces cas-là, il a eu une réorientation. Et en fait, cette structure cérébrale va être activée suite à la lecture en braille et du coup, suite à la stimulation des types tactiles. Ce n'est pas du tout une stimulation des types visuels. Du coup, une structure cérébrale qui normalement n'aurait pas dû vraiment être stimulée est stimulée par d'autres types de stimuli. Et donc, c'est une réorientation de cette structure. Mais la plasticité cérébrale entre en jeu aussi pour combler des déficits qui se sont vérifiés, par exemple, suite à un accident cérébral vasculaire. Alors, dans ces types d'accidents, c'est ce qu'on appelle un MAP extension. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Pendant un accident vasculaire cérébral, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui est privée de sang et d'oxygène. Alors, je reviens à une des premières diapos que je vous ai montrées, là où je vous ai dit que dans les cerveaux, nous n'avons pas que des neurones, mais qu'il y a aussi d'autres types de cellules et, entre autres, des vaisseaux. Je vous ai dit que la vascularisation cérébrale est particulièrement importante. Alors, vous voyez dans cette image l'importance que ça peut avoir. Ici, en bas, vous voyez comme nous avons entre 20 et 25 mètres carrés de vaisseaux dans notre tête, dans notre crâne. Mais du coup, avoir une vascularisation cérébrale optimale, c'est bien évident qu'il va avoir une importance fondamentale pour l'état de santé de notre cerveau. Dans les cas où, malheureusement, nous avons un accident cérébral, un accident vasculaire cérébral, c'est ce qui se passe, c'est qu'il va forcément avoir une perte neuronale. Alors, cette perte neuronale, généralement, peut être récupérée, pas en récupérant les neurones qui sont morts, mais il peut y avoir des structures adjacentes aux neurones qui, malheureusement, sont morts, qui peuvent récupérer et rétablir l'équilibre, effectuer les tâches auparavant effectuées par ces neurones qui sont morts. Alors, on a développé des robots de rééducation pour aider dans ces types de récupérations. Mais les limites de ces types de robots, c'est qu'au bout d'un moment, les patients restent un peu passifs. Et du coup, il n'y a pas trop de compliance. C'est un entraînement un peu ennuyant, on va dire. Du coup, c'est ce qu'on a pensé, c'est de développer des jeux vidéo. Parce que là, en fait, il y a une participation active de ces personnes qui sont stimulées. Et du coup, ils ne réfléchissent même pas que c'est un type de rééducation, mais ils sont en train de participer sous forme de jeu à quelque chose qui effectivement leur force à bouger certaines parties de leur corps
pour lesquels il faut récupérer la mobilité humaine ou alors tous les bras, par exemple. Je vous amène un jeu comme exemple. C'est un jeu qui prévoit d'aider un dauphin. Pourquoi les dauphins? Parce que c'est un animal qui, normalement, nous suscite de l'empathie et du coup, nous sommes naturellement amenés à essayer de l'aider. Alors, ces dauphins vont rencontrer des requins qui vont essayer de l'agresser. Et du coup, le sujet est censé essayer de défendre les dauphins des requins. Et pour faire ça, il va bouger dans ses cas, par exemple, la main. Et en faisant ça, il va stimuler la récupération de l'utilisation de la main pour laquelle il avait perdu la mobilité suite à un AVC. C'est un des possibles exemples, bien évidemment. C'est le message derrière que quand il y a une participation active du patient, la récupération est optimale par rapport à quand ce type de stimulation reste tout simplement passive. Nous avons bien compris à ce point-là que le style de vie peut absolument modifier la plasticité cérébrale. Et comme exemple, je vous montre l'activité physique. Pourquoi je les montre dans cette liste en premier? Parce que je pense que c'est un problème de notre style de vie moderne, c'est la sédentarité. Et alors, je sollicite, voilà, parce que je l'ai vécu même moi personnellement, ce n'est pas évident de faire le nombre de pas normalement recommandés. On se rend compte qu'on a plutôt tendance à avoir un style de vie assez sédentaire, mais il faut penser pas seulement à la santé générale de notre corps, mais aussi à la santé de notre cerveau. Et l'activité physique, pas forcément de façon intense, mais même une activité physique modérée, peut aider énormément la santé, l'état de santé général de notre cerveau et la plasticité cérébrale. Plusieurs études concordent sur ça et il y a aussi des études qui montrent les effets des différents types d'activités physiques. Je vous ai parlé des plasticités cérébrales et du coup des connexions des neurones qui se forment. Mais je suis obligée de vous parler aussi, même si les informations que nous avons à ces sujets sont un peu plus réduites, des renouvellements neuronaux. En fait, depuis quelques années, nous sommes à connaissance qu'il peut y avoir tout à fait la création de nouveaux neurones dans les cerveaux. Quoique c'est un processus qui est limité à certaines structures cérébrales, et là où la communauté scientifique commence à avoir un consensus, c'est que c'est un phénomène qui existe réellement. Mais nous n'avons pas encore des informations définitives sur l'impact et sur la quantité des neurones qui peuvent être générés à nouveau. Du coup, je pense qu'il faut attendre un peu plus des résultats avant de donner des informations vraiment plus concluantes et définitives à ces sujets. Pour conclure, je vais vous amener des recommandations des chercheurs et des médecins qui sont un point de référence dans les domaines. Dans ces cas, Pierre-Marie Ledoux, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur de Paris, pour conserver un cerveau jeune, il suggère de fuir la routine, du coup solliciter notre cerveau avec différentes activités, apprendre du coup de nouvelles choses, lutter contre l'infobésité. Je tiens à souligner ça. L'infobésité, c'est avoir trop d'informations. Trop d'informations peut nous amener dans l'autre excès. Du coup, c'est une stimulation excessive de notre cerveau qui a comme un bruit de fond et n'arrive plus à comprendre les informations qui sont importantes et intéressantes à retenir et les informations qui ne sont pas intéressantes. Et ça, ça peut augmenter les niveaux de stress. Mais aussi, éviter l'utilisation des psychotropes, chose qui est assez évidente, bouger, du coup, stimuler l'activité physique sous différentes formes. Cultiver la vie sociale, avoir une vie sociale active. Je vous rappelle que l'isolement social est un facteur aggravant, par exemple, de la démence et aussi des progressions des maladies d'Alzheimer. Et je mets aussi en dernière, soigner les microbiotes. C'est quelque chose de plus récent développement. Du coup, garder l'équilibre et l'état général de santé de notre corps en considérant aussi la flore commensale des bactéries qui sont présentes dans notre corps. Du même avis, et aussi le professeur Michael Merzenich, aux États-Unis, cette fois-ci en Californie. Bien évidemment, on peut trouver plusieurs exemples. Je vous amène certaines références dans les domaines. Il dit que notre comportement change notre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge pour faire ça. Si on résume les conseils du professeur Merzenich pour stimuler la plasticité cérébrale, bien, il conseille de se mettre à l'épreuve avec des défis toujours différents, comme le docteur Ledoux, mais aussi de profiter de l'activité physique avec tous nos sens. Alors, il ajoute quelque chose, et j'aime bien de rebondir sur ça, faire aussi, si, de l'activité physique, mais en stimulant tous nos sens. Il parle souvent de la marche,
mais il suggère aussi de profiter de la marche en stimulant nos sens et regardant les couleurs autour de nous et sentant toutes les différentes odeurs et écoutant tous les différents bruits qui se forment. Et la marche, entendue dans ces sens-là, semble avoir un fort pouvoir sous la pensée créative. Et je suis d'accord avec cette conclusion. Focaliser aussi notre attention et éliminer le bruit des fonds. C'est l'infobésité qui disait auparavant le professeur Ledo. Du coup, comme message à amener avec nous à la maison, c'est que la plasticité cérébrale a bien son apogée pendant la vie intra-utérine et chez l'enfant, mais ça continue tout au long de notre vie. Grâce à ce phénomène de plasticité cérébrale, nous pouvons compenser certains déficits, comme par exemple dans la récupération d'un accident vasculaire cérébral. Nous avons bien compris qu'un style de vie approprié avec une bonne activité physique et une vie sociale active peut aider à maintenir la plasticité cérébrale et donc un cerveau jeune. J'espère que la présentation c'était assez claire et je suis du coup prête à prendre toutes vos questions et vos curiosités. Nous avons traité plusieurs sujets, mais bon, dans les 30 minutes, le temps passe relativement vite et ce n'est pas simple de tout expliquer. Je serai du coup disponible si vous avez des questions, des approfondissements, des curiosités ou tout simplement des commentaires à partager. Merci beaucoup. Je vous remercie du coup de votre attention.